Madame et Monsieur Tout-le-Monde, avec un extincteur ou un seau d'eau, peut être très efficace. À ce moment-là, on peut intervenir avec des bonnes chances. Mais on voit que là, en temps réel, le développement du feu est très, très rapide. Rapidement, les flammes lèchent le sommet du sapin. On voit déjà un dégagement de fumée important. Et la sécurité des personnes est déjà, je dirais, compromise. Et là, on a des matières plastiques, notamment des mousses, qui dégagent des gaz nocifs. Donc même maintenant, à ce niveau-là, l'intervention avec un extincteur, même un sapeur-pompier entraîné, aurait certaines difficultés. Maintenant, il est bien clair que ce que Madame et Monsieur Tout-le-Monde a le mieux à faire, c'est de quitter la pièce en toute sécurité, en ayant pris soin auparavant d'alarmer les autres personnes et leur ayant demandé de sortir, de quitter la pièce. Parce que là, c'est bien clair qu'on ne peut plus rien faire. Dans la chaîne des secours, le maillon de l'alarme doit être des plus solides. Si la transmission de l'alarme n'est pas optimale, les forces d'intervention prennent du retard et agissent d'une façon inadaptée à la situation. Afin d'uniformiser les alarmes des sapeurs-pompiers en Valais, une classification cantonale basée sur plusieurs années d'essais dans différents corps a été mise en place. Les alarmes sont classées selon l'ampleur des moyens à mettre en place à l'aide de trois couleurs. Alarme rouge pour les feux de bâtiments et dans les tunnels, accidents chimiques importants ou autres. Alarme jaune pour les feux de cheminée ou accidents de la circulation, par exemple. Alarme bleue pour les feux de véhicules ou autres sinistres sans gravité. Sur la base de cette classification, les corps de sapeurs-pompiers doivent élaborer un document concernant la systématisation de leur départ. Il s'agit d'établir des ordres préalables qui doivent être connus de tous. De cette manière, les sapeurs-pompiers savent quels effectifs, véhicules et matériels engagés d'office selon le type d'alarme. Bien évidemment, cette organisation de systématisation des départs doit être adaptée aux moyens en personnel, véhicules et matériels à disposition dans la commune. Depuis plusieurs années, et cela progressivement par région, la centralisation de la réception des numéros 118 a été effectuée pour tout le canton sur la CEN, autrement dit, la centrale d'engagement de la police cantonale à Sion. Parallèlement, l'Office cantonal du feu, en collaboration avec les communes, a mis en place dans cette centrale un système moderne et performant pour le déclenchement des alarmes. Il s'agit du SMT-750-NT, abréviation de Système de Mobilisation Téléphonique. Avec cette nouvelle installation, le déclenchement des alarmes peut s'effectuer simultanément par différents moyens. Le téléphone sécurisé avec appel prioritaire en cas d'occupation, le téléphone par les numéros SwissNet sans transmission sécurisée, les Natel sans transmission sécurisée, les pagers par le réseau télépage suisse de Swisscom, les recherches de personnes et radios sur les fréquences feu 3 et 6, les sirènes fixes installées sur les bâtiments. Ce système offre aux responsables des forces d'intervention chargées d'organiser l'alarme un éventail de possibilités qui apportent beaucoup de souplesse. Pour des questions de sécurité, il est absolument nécessaire, dans une organisation d'alarme, de prévoir simultanément deux systèmes pour chaque raccordé. Une panne est toujours possible. A noter que la centrale d'engagement de la police cantonale réceptionne pour tout le canton les numéros 117, 118 et 112. Le MST, ou poste de mutation, est installé dans les bureaux de l'Office cantonal du feu. C'est là que sont enregistrés les nouveaux numéros et les mutations. A noter qu'un numéro raccordé peut faire partie de plusieurs groupes, et cela sans coût supplémentaire. Pour chaque raccordement à introduire, à supprimer ou à changer de groupe, il existe un formulaire de mutation. D'une conception simple, ce document doit être impérativement rempli par le commandant du feu et envoyé à l'Office cantonal du feu. Les données sont transmises par modem dans les KST ou postes de déclenchement des alarmes. Deux systèmes redondants existent en Valais, à savoir la centrale d'engagement à Sion et la centrale de Noès. Tous les trois mois, un essai d'alarme est effectué entre 18h30 et 19h30, cela à tour par région. En clair, la police cantonale dessert les installations, mais toute la configuration des groupes d'alarme est effectuée et contrôlée par l'Office cantonal du feu.